debout, effectivement, il faut tout permettre de faire. Donc, je dis un diaporama où il va vous expliquer tout en vous montrant, pour essayer que vous puissiez appréhender le plus rapidement possible, parce que l'investissement dans le champ du commun dernier. Pour faire vite, et dans ma façon à moindre dans les choses, les habitants du OVA, responsables, ont été soumis, dès les années 60, on va dire, à l'intrusion de plus en plus intrusive, si je puis dire, de l'État dans la gestion de leur montagne, au nom, pour faire vivre, de la biodiversité ou de l'environnement, création du parc national dans les années 60, etc. Encore une fois, ce sont mes mots, j'avais deux sentiments de révolte profonde se sont installés. Un, d'abord, le sentiment d'être spolié d'une partie de son territoire, de son développement, des marges de manœuvre, des marges de liberté, que tout citoyen en France a eu le droit. Et donc, viscéralement, une incompréhension, voire une colère face à ça, parce qu'il y avait des grands chats, etc., des tas de choses, y compris dans les années 60, dans un territoire qui se désertifie. Donc, l'impression aussi que tout ça va inexorablement conduire à la mort de tout ce qu'on y tenait. Et puis, je dirais, ce sentiment, parce que c'était lié, qui était avec une deuxième couche, qui est peut-être encore la plus forte, c'est que finalement, on les. Et ça reboucle sur ce que je disais en introduction. Finalement, on tendait à mettre en place, au nom de l'environnement et de l'homme, des outils pour les désengager de leur territoire, alors même que eux étaient persuadés, et je n'aurais pas raison, que la qualité de biodiversité de l'environnement au nom desquels on les chassait de leur territoire, en fait, elle n'était pas le fruit que du hasard ou du fait qu'ils étaient sous-développés, ce qu'on leur a dit parfois, mais qu'elle était le fruit d'une longue histoire où les gens, justement, avaient pris en charge leur territoire et où avaient essayé dans la durée d'assurer à la fois le développement des activités humaines, l'amélioration des conditions de vie, tout en prenant en compte la durabilité des forêts, des pâturages, de la faune, etc. Et qu'en fait, au nom de ce classement-là, un, on voulait le faire partir du territoire, et deux, du coup, on avait la catastrophe, puisque un, ils n'avaient plus été là, mais deux, l'environnement dont ils étaient co-créateurs depuis des générations allait disparaître avec eux. Et donc, cette double sentiment d'erreur a conduit à un sursaut dans les années 80, on va dire, qui a été poussé racinement, mais officiellement, voilà. Et donc, il y a eu le résultat de tout ça, il y a la mise en place d'une institution patrimoniale de l'OVERN pour réactualiser des pratiques de gestion en commun. Et dans notre jargon à nous, c'est une gestion en patrimoine commun local d'intérêt général, c'est-à-dire que l'État est dedans. Alors, pas toujours de façon très constructive, mais en tout cas, il y a un. Pas toujours, je dis. En tout cas, l'État est co-acteur du commun, tout en étant l'État, État réglementaire et régalien, quand il doit l'être aussi. Voilà, je n'en dirai pas plus. À vous. Bien. Alors, Sarah nous a amené en Ardèche, c'était bien. On est allé faire un petit tour de la Notre-Dame-des-Landes. Alors, Joseph et moi, nous allons vous faire un petit voyage en Haut-Béarn. Alors, le Haut-Béarn, c'est les Pyrénées Atlantiques, pont plein sud. Parler dans trois vallées, les vallées d'eau sourde, la Seine de Paris douce. Alors, Gilles a un peu déstabilisé ton écran pour une raison très très simple. C'est qu'il sait qu'il va y avoir de très belles photos qui vont passer là. Et qu'il serait dommage que tout le monde n'en bénéficie pas. Alors, d'abord, je vais commencer par dire un grand merci à Guillaume Nadillet pour cette invitation, parce que c'est quand même une émotion particulière pour nous, pour Joseph, pour moi, de venir s'exprimer ici. Nous ne sommes que des praticiens de notre territoire, et on ne parle que de ça. Alors, quelquefois, on ne conceptualise pas trop. Je voulais remercier et dire le plaisir que j'avais de retrouver quelques amis. Daniel Boursier, notre ami Gilles Hernière Dubreuil, et puis Sylvain, parce qu'on a fait quelques bouts de chemin ensemble, toujours dans des moments de réflexion, qui pour nous permettent de descendre un peu de montagne. On va dire d'une manière un peu plus fluviale, de descendre du vélo. Pour voir comment on pédale. Parce qu'en fait, on pédale tous les jours et quelquefois, il faut se donner le temps de la réflexion du recul. Alors, vous allez nous permettre aujourd'hui, si vous voulez vraiment nous permettre, je vous propose de faire la chose suivante. Moi, je vais vous présenter le territoire. Je suis directeur, je suis technocrate de service. Donc, je vais vous présenter ça à la façon de Frédéric Rossi, pour ceux qui s'en souviennent, vous savez, dans la vie des animaux, la mort.
président, le président de l'association des bergers de nos trois vallées. Il représente ici quand même pas loin de 100 bergers. Donc, apportera un petit peu de chair un peu à tout ça, qui va être très descriptif, parce que si vous voyez que ce n'est pas suffisamment le contexte, on ne pourra pas échanger suffisamment. Et donc, bien entendu, vous nous poserez quelques questions derrière, et surtout, c'est les questions qui vont nous permettre de rentrer au fond de la chose. On aurait pu prendre les choses de façon inverse, en vous racontant l'histoire de notre territoire. 20 minutes n'auraient vraiment pas suffi, parce qu'on est timide, mais on a un bon docteur. Mais par contre, les soirées longues, elles commencent au XIIe siècle. C'était pas les sectionaux, mais c'était les commissions syndicales qui ont commencé par les forts du Béarn au XIe et XIIe siècle. Et c'est là qu'on a commencé la gestion patrimoniale commune de notre territoire. Et c'est pour ça que ça n'a pas changé depuis. Voilà, donc on va pas prendre cette histoire-là, parce que sinon ça sert pas long. Mais on va le faire d'une façon inversée. Ça me va ? Allez, on démarre. Beaucoup d'interactivité, n'hésitez pas à siffler, si je peux. Voilà, notre adresse siffler. Oui, mais il n'y a pas de souci. Alors, c'est des images qui vont passer. Alors, je prends mon outil, moi j'ai la souris. Elle fonctionne ? Non. Ça commence bien. Alors, les vanillas sont au-dessous et par vous voyez quelques images. Ensuite, alors on va être obligé de faire comme ça. Non, je vais faire autre chose. Je ne peux pas rester. J'ai la porte qui porte là. Ça vous va? Estive, oui.
sa cabale que le droit d'air. D'accord ? Donc, 207 estives, 65 000 hectares de pâturage communaux, 80 000 brebis qui vont chaque été, là, qui vont monter. Si vous me voyez un peu bronze aujourd'hui, je n'ai pas été à la mer. C'est que hier, avec Joseph, nous avons organisé des héliportages pour monter les bergers là-haut. Pourquoi ? Parce que 50% de nos estives ne sont joignables qu'à pied, au prix d'une heure et demie de marche à pied. Alors forcément, quand on fabrique du fromage là-haut, eh bien, il faut du matériel, et ce matériel, on monte par héliportage en groupe. Voilà. 25 000 bovins, 260 bergers, et à peu près 300 tonnes de fromage fermier fabriqué là-haut en deux mois, entre le 15 juin et le 15 août. Donc, c'est quoi cette estive? C'est le prolongement de l'exploitation agricole. Nos deux exploitations, c'est une dizaine d'hectares, c'est tout petit. Donc, pour mener ces animaux, il nous faut de l'herbe l'été pour pouvoir faire les fours en bas, et il nous faut de l'herbe l'hiver, on va la chercher aussi en plein. D'accord? Et puis, on a des races locales. Notre brebis, la race basco-béarnaise, c'est pas parce qu'elle a des cornes que c'est un mâle. Chez nous, les femmes et les hommes, les brebis et les béliers ont des cornes, excusez-moi. Et des vaches qui ont des belles cornes aussi, qui sont des béarnaises. Voilà, ça c'est la montée en estive. Alors, vous voyez, le troupeau va jusque-là, le berger est là et le chien ferme la marche. Donc là, on est en train de monter en estive, c'est dans ce moment que ça se passe. 80 000 brebis, soit 600 troupeaux en équivalent, 25 000 bovins, 800 troupeaux, 260 bergers et vachers qui montent là-haut. 1,5 million de lait frais à la main et par tous les temps, comme on voit le jeune est en train de faire là. Voilà. Donc c'est juste pour vous faire comprendre qu'un 1,5 million. Vous savez ce que peut produire le brebis à la traite, là-haut? Vous me dites combien on fait de ce poisson pour faire 1,5 million de litres? Voilà. Là, je parle de 30 grammes. Donc c'est des heures et des heures de traite qui se passent là. 150 terrains de pastoral utilisés, la moitié accessible de 4 pieds, je vous l'ai dit. Donc là, j'avais mis la carte, mais elle est moins visible. Je veux juste revenir là-dessus. Donc, nous, nos 4x4, c'est ça. Hein. Vous êtes bien d'accord? Les arts et les mules, hein. Voilà. Et en 1990, gros problème. La question se pose, et pour nous, elle se traduit très clairement. Vivre ou mourir. Alors, pourquoi cette question s'est posée comme ça? Vous le devinez, vous voyez les cabanes? Ces deux cabanes-là ont été prises ici en 2000, ici en 1997. Voilà, ce n'est pas des cabanes de 1930. La question, c'est qu'il y a une directive européenne qui arrive, comme partout, sur les mises aux normes alimentaires des choses, et c'est le lait, c'est le fromage. Donc les fromageries d'estive doivent être mises aux normes. Alors, pourquoi ça pose problème? Ça paraît évident. Bon, on a 150 cabanes là-haut, une heure et demie de marche à pied. Celle-là, bon, Hortacis, c'est pas terrible, hein, pour mon environnement. Ça, c'est encore moins bien. Si on voit celle-ci, alors celle-ci, elle est presque aux normes. C'est-à-dire qu'en fait, elle est à 2 heures de marche à pied, à 1700 mètres, et le berger a payé l'hélicoptère pour lui amener une estafette ici, et c'est son local de fabrication. Aux normes européennes. Mais c'est un début. Au lieu d'être assis sur son lit en train de faire chauffer le lait et de faire le fromage, vous voyez, Joseph va vous parler de tout ça. Ici aussi, notre cabane, vous voyez, du jardin de Cesque. Le berger, là, il a mon âge, donc en 2000, il en avait bien moins, et puis il fait 1,75 m, la porte est à 1,27 m. Vous voyez, 3 mois par an là dedans. 3 mois par an à faire du fromage. Vous avez vu une cheminée là? Et pourtant il faut chauffer le lait. Vous imaginez la condition de ces gens. Et comme je dis souvent, là vous avez la photo. Vous n'avez pas l'odeur. Parce que quand on fait du lait, quand on est 15 heures par jour au milieu des animaux, forcément il y a une ambiance où l'odeur est présente. Voilà. Donc une situation.
ces bergers dont on n'accordait même pas la moindre dignité, puisque si on vit là-dedans, alors que c'est la propriété communale, et qu'on loue, où est la dignité? Et c'est ces gens-là qui ont vu arriver ben, les normes européennes. Et puis les gens leur disent, tu sais Joseph, tu sais Jacques, tu sais Jean, tu sais Pierre, il faut sauver les ours. J'ai dit que j'en parlerai pas, j'en reparlerai pas, mais malgré tout, c'est ça qu'ils ont vécu, ces gens-là. Voilà. Et tous ces gens-là, c'était ce que j'appellerai rapidement le pastoralisme des hommes sacrifiés. Et vous avez leurs photos qui sont là. Alors bien évidemment, quand on est dans cette situation, vous voyez, de toutes ces cabanes, et qu'on nous dit qu'il faut mettre aux normes, est-ce que ce n'est pas le chantier trop vaste, le chantier de trop? Comment peut-on faire? On a 6500 habitants, 28 communes, ça veut dire que divisé. Les plus grosses communes ont 1200 habitants, le plus souvent c'est 150. Un budget de quoi? 65-70 000 euros. Voilà. Et donc, comment faire face aux obligations? À la fois réglementaire, l'État est là pour faire, mais c'est le marché. Si on n'est pas dedans, les consommateurs vont s'échapper. Donc, on est bien face au problème où les cabanes sont les propriétés communales. Le budget des communes est moins de 150 000 euros par commune en moyenne. Une mise aux normes avec héliportage, bien sûr, 25 euros la minute, ce petit oiseau vol, et une tonne pour porter ce nom. De 150 à 250 000 euros pour une cabane mise aux normes. Comment on fait? Pour un berger, 3 mois par an. Vous voyez la question? Un berger, 3 mois par an, investit 250 000 euros alors qu'on a un budget de 150 annuels pour toute la commune. Voilà dans quelles questions se sont trouvés confrontés les conseils municipaux. Pardon? Ah oui, non. C'est au téléphone. Excusez-moi. 1994, un nouveau mode de gestion se met en place. La crise de la gouvernance du territoire, qui est apparue pour certains comme une crise de l'ours, pour d'autres choses, etc., mais qui était un problème tout simplement de gouvernance territoriale, fait qu'on trouve une solution, on en reparlera certainement tout à l'heure, dans le cadre d'un nouveau mode de gestion. Ce que j'appellerais, moi, la forme contemporaine des forts du Béarn du XIIe siècle. Cette forme contemporaine, c'est quoi? C'est avant tout. Bon, les créations d'un outil, qui s'appelle l'IPHV, peu importe, mais tout décider ensemble. C'est-à-dire que depuis 20 ans maintenant, ou plus, tout le monde est autour de la table. Voilà. Alors on va voir qui est autour de la table. Il y a un syndicat mixte qui va prendre des décisions en lieu et place où l'État décide de tout. On n'est pas indépendantiste, on n'est pas autonomiste, on est bien dans notre État à condition que l'État nous respecte. Le respect de l'État, c'est la démocratie. Des gens qui passent au suffrage universel, c'est vrai en ce moment, on doit le respecter. Donc on fait les syndicalistes, on prend les décisions. 21 délégués de communes, puisqu'on a 21 communes, généralement, mais le conseil départemental, il y a 5 représentants, le conseil régional, il y a 3 représentants. 21, 5, 26 et 3, 29 élus qui vont prendre les décisions dans le domaine du pastoralisme de l'eau, de la forêt, de l'environnement. Mais on sait bien que les élus ne sont pas suffisamment raisonnables. Il faut apporter un petit plus dans cette affaire. Alors on met à côté d'eux une instance de concertation qui s'appelle le Conseil de gestion patrimoniale, chargé de donner un avis. Et dans ce collège, dans ce conseil de gestion, on va trouver 3 collèges. Le collège des élus, 11 élus des 29 vont être élus pour venir les représenter dans l'instance de concertation. On va mettre le collège des personnalités qualifiées comme le nom l'indique, on a tous les services et administrations publiques de l'État, de la région, du département, l'agence de l'eau, les services techniques, les organismes professionnels agricoles. Et puis un collège dit des Valéens, ceux à qui on avait l'habitude de ne jamais rien demander. Bah, tout le monde sait ce qui est bon pour un berger, il ne faut pas les demander, on ne va pas les demander non plus. C'est un peu ça, je le fais de façon provocatrice, mais c'est un peu ça. Donc on va mettre 3 bergers, 2 chasseurs, 2 représentants de l'association de protection de la nature, les 3 chambres consulaires, les offices du tourisme, les accompagnateurs en montagne, tous ceux qui ont des choses à faire dans le territoire, y compris maintenant
les deux grands électroniciens que sont EDF et la chaîne, pour débattre et discuter de tous les projets qui vont être sur le territoire. L'avantage, c'est que, ayant 90% du territoire comme étant de statut communal, les projets sont majoritairement remportés par les communes. Donc les communes sont engagées à se tenir là, donc ils portent à connaissance leur projet. Le débat s'instaure. Et à la fin du débat, on crée un avis en consensus. J'ai bien dit en consensus. Ça paraît fou, mais c'est la réalité. Et ça fait 22 ans que ça marche. On va regarder un peu plus précisément. Donc le conseil de gestion patrimoniale en porte à connaissance les projets. Il exprime, il y a une large concertation, débat. Il exprime un avis sur la flèche ou la flèche grosse. L'avis doit être formalisé. Et le syndicaliste va en délibérer. Ce qui fait que depuis qu'on a créé cette structuration, on a pris 1400 délibérations. Dans ces délibérations, on a créé des listes dans le parc national des Pyrénées. On a décidé de la réintroduction grosse. Voilà, là je cite deux cas extrêmes. C'est pas des petits débats que nous avons. Et sur les 1400 délibérations, il n'y en a pas su une qui était traduite devant le tribunal administratif. Je pense que pour vous, ça a du sens. Pour moi, c'est la seule décision qui va y avoir. Ça veut dire qu'il y a concertation réelle. Voilà, donc, si on reprend rapidement une idée de projet, on le porte devant la collectivité, c'est la collectivité qui le porte. Les commissions de l'IPHV se réunissent, vont sur le terrain, etc. Le conseil de gestion patrimoniale, l'espace de concertation, en débat, le syndicat mixte en décide, et donc à la fin, on a un mode de gestion patrimoine commun qui est basé sur quoi? Sur la co-responsabilité, sur la co-construction, puisque le conseil de gestion patrimoniale, qui est dans le syndicat mixte, c'est ça, il co-construit la décision que vont prendre les élus. Et enfin, la co-décision avec les élus. Donc on est sur un contrat qui s'appelle la charte de développement durable des vallées, c'est la base de notre. Qui a été rédigé à l'origine par des acteurs locaux, eux-mêmes, signé par l'État, le département, la région, les communes et les vergers. Un contrat de territoire qui concerne le pastoralisme, la forêt, l'eau et l'environnement, basé sur la co-responsabilité, la concertation, la co-construction et la prise en charge en patrimoine commun du territoire. Et avec des moyens, parce que la charte avait aussi ce but, cet objet, de donner des moyens d'arriver à 70 à 80% de fonds publics pour les travaux que nous avions à faire à condition qu'ils soient largement partagés. Et ainsi, l'IPHV est devenu un état d'esprit, une façon de faire. D'ailleurs, l'IPHV, juridiquement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez devant vous un directeur d'une institution qui n'existe pas. C'est intéressant. Moi, ça me plaît bien. Donc, ça débat beaucoup. Vous voyez Joseph, vous voyez les vergers, hein. Ici, sur le terrain, pour l'amélioration pastorale, dans les communes, enfin, je voulais vous montrer des images de gens où ça brasse, quoi. Hein. Et du coup, une nouvelle politique pastorale. Donc, nous sommes partis de là, et nous arrivons à ça. C'est-à-dire que désormais, on a des cabanes. Alors, celles-ci sont accessibles par voie routière, parce qu'elles sont un peu plus volumineuses, et celles-là sont toutes pareilles. Conclusion, des cabanes rénovées, il y en a eu 75 de fait. Vous voyez, il n'y a pas plus, le lit est quand même pas loin de l'évier, de la cuisine. Mais malgré tout, ça change. Et puis les sanitaires, vous vous rendez compte. On retrouve le berger, on retrouve là sa dignité. Et puis du coup, on a quelques jeunes qui se remettent à faire du fromage. Vous voyez, quand on fabrique du fromage dans ces conditions-là, pour vous consommateurs, c'est un peu rassurant. Voilà, donc les anciens, ils travaillent dans de meilleures conditions, et puis tiens, vous voyez, ce bras, il n'est pas très masculin quand même. C'est marrant. On a vu revenir les femmes, on estime. C'est intéressant. Et alors, du coup, des situations comme ça, on se retrouve en famille. Donc, voilà, les sanitaires, etc. Les salles, c'est vrai que quand vous voyez des salles avec des fromages comme ça, ça donne plutôt envie. On ne nous a pas gardé les photos des anciens. Ils sont intéressants. Ils sont intéressants. Oui, d'accord. C'est presque fini. Du coup, on a mis en place une marque estive, mais on a fait aussi des installations d'eau, captage d'eau, des abris pour la traite. Vous voyez, l'ancienne cabane est là, la nouvelle est là. On a même fait des accès.
accès aux mini-tracteurs. D'ailleurs, on n'a pas dégradé notre nature, l'herbe n'est pas trop touchée. On a amélioré les sentiers, on a fait de multiples aménagements, de l'hydroélectricité à la dimension des cabanes, du photovoltaïque et des héliportages, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, du muletage, parce que pendant la saison, le fromage, il faut le descendre et il faut monter le ravitaillement. Quand un berger fait 15 à 17 heures de travail par jour, comment il fait pour descendre avec ses bêtes et remonter, descendre le fromage et remonter le ravitaillement? Ça lui coûte 5 ou 6 heures minimum. Donc, on met un minutage professionnel qui est largement subventionné. De temps en temps, même, on évacue des bêtes blessées, parce que quand on est dans des estives, alors qu'on pourrait soigner la bête à la maison, on est obligé de la tuer parce qu'on ne peut pas la descendre. Donc, on lui porte. Vous voyez, on a mis en place ça comme outil. Les réseaux de radio-téléphone, ici, quelqu'un fait une crise cardiaque, on prend le portable, 18. Et puis, c'est bon, on va s'en sortir. Là-haut, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Maintenant, vous faites le 1 sur un radio-téléphone et vous êtes relié au même endroit. Et l'hélico arrive. Voilà. Et puis, comme on a quelques prédateurs, on a des clôtures, des projecteurs. Enfin, voilà, je vous fais court. Plus de 300 aménagements pastoraux, 14 millions d'investissements de fait, dont 10 millions de fonds publics. Voilà, le résultat de cette gestion en patrimoine commun, vous pouvez dire, tu viens de le montrer, c'est cabane, tout ça, etc. Ben non, nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on a vu remonter les femmes, quand les femmes remontent en estive, c'est bizarre, les hommes ont envie d'y rester. Je ne sais pas si ça se passe pareil à Paris, mais chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, on se retrouve en famille. Voilà, vous voyez. Et puis, il y a des petits qui vont prendre le virus là-haut. Peut-être qu'on aura des petits bergers plus tard. Vous comprenez? Voilà, des photos toutes simples, mais qui en disent long. Puis c'est quand même plus sympa, comme Jean-Louis, là, quand il fait avec sa fille et Bernadette, son épouse, plutôt que 400 brebis tout seul, à raison de 4 heures le matin et 4 heures le soir, à la traite. Ça fait 8 heures, peut-être, quand même. Voilà, donc Jean-Louis avec Pierre-Jean, une autre famille encore à Likoué. Voilà, Manon, Mathilde. Vous voyez, quand. Voilà, à nouveau Pierre-Jean. Le rajeunissement de la population bergère, c'est ce qui s'est passé. Et surtout, l'année dernière, alors qu'il y a 20 ans, les premières photos, je vous ai montré, cette main aurait suffi pour dire qu'on y avait de familles, on estime. Il y en avait 62 l'été dernier. Donc, nous, le pari, il est là. Et pour nous, le pari, si on l'a gagné, c'est tout simplement les communs, la gestion du patrimoine commun. Donc, on est passé du pastoralisme des hommes sacrifiés. Avec Auguste, on aimait beaucoup, mais voilà, qui a été sacrifié toute sa vie, au pastoralisme en famille. Voilà, j'en reste là. Je suis très ému d'être ici, je vous remercie.
se rassurer dans les montagnes. Et donc c'est ensemble que tout le monde est ému, représentant de l'État, tout le monde a décidé qu'effectivement il fallait maintenir des bergers dans la montagne, donc il fallait faire cet effort de mise en ordre. Et s'il n'y avait pas eu cette synergie au niveau des bergers, je pense qu'aujourd'hui on ne serait pas là pour nous parler de leur métier parce qu'on n'y serait plus. Quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de gens dans les années 90 qui disaient effectivement faire du fromage en montagne dans ces conditions, c'est le passé. Quoi. Et c'est nous qu'on a dit, on veut aussi que ça soit le monde. Voilà, donc à partir de là, à partir de cette gestion en patrimoine commun avec tous les gens autour de la table, on a pu déjà faire les mises aux normes. Et nous, ce qu'on a demandé, berger, on a dit c'est bien joli de dire qu'il faut de l'eau potable, de l'eau chaude, de l'eau froide pour la fabrication du fromage et pour laver les bidons. Mais nous, on ne peut pas rester dans des conditions de vie moyenâgeuses. On a besoin aussi d'avoir des cabanes et des mises en conditions de vie qui correspondent à une vie digne de notre époque. Ouais, c'est comme ça que la maison dans les cabanes, nous on a demandé à ce qu'elle soit faite avec la mise en condition de vie décente aussi des cabanes. Et tout cet effort-là a été fait grâce à la synergie qui s'est produite dans l'UHB. Voilà, en même temps, on est passé effectivement d'un métier qui était d'avantage et à un métier du présent et de l'avenir aussi. Voilà. Et par rapport à ça, bon, je pense que notre légitimité, malgré tout, c'est même si aujourd'hui, le gouvernement le plus serein qu'il a une vingtaine d'années, notre légitimité en montagne est toujours à défendre. Et souvent, les aides qu'on a au niveau des aides européennes, elles nous demandent toujours une entrée environnementale. Et nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que voilà, c'est ce qui a créé le paysage, ce qui a créé la biodiversité actuelle, parce qu'il faut savoir que je pense que 99% du territoire collectif du OBA est en zone naturelle des mines. Donc, et s'il y a toute cette biodiversité qui fait qu'on est en zone naturelle des mines, c'est parce qu'il y a eu des pratiques agricoles jusque-là qui ont créé cette biodiversité. Donc, on a dit, pour préserver cette biodiversité, ce qu'il faut, c'est préserver les pratiques, c'est pérenniser les pratiques. Quoi. Nous, c'est ce qu'on demande, et chaque fois, on demande que ça soit ça qu'on fait. Voilà, que les montagnes restent vivantes, qu'ils restent hébergés dans les montagnes pour, voilà, effectivement, que voilà, elles gardent toute leur richesse naturelle. Je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord. Oui, quelques questions? Une remarque pour rebondir aussi par rapport à la dernière question tout à l'heure sur est-ce que c'est le régime de propriété finalement qui est au cœur des choses ou pas. Effectivement, on voit quand même que ça a permis de préserver des choses. Je pense que quand même, dans le fond, la question aujourd'hui, qui est, à mon avis, c'est parfaitement illustré là, c'est comment on mène des actions multidimensionnelles. C'est-à-dire qui permettent de progresser sur plusieurs dimensions de ce qui est en jeu en même temps. Or, évidemment, dans notre société, avec l'état des marchés, les plutôt spécialisés, en général, on met le paquet sur une dimension, et puis du coup, on oublie le reste, voire, par des effets systémiques, on améliore une dimension, on dégrade tout le reste. Et à la fin, on finit même en dégradant ce surplomb d'état étagé. Enfin, je vous exemple en tête que j'aurais pas le temps de proposer là. Alors évidemment, on peut venir d'un orchestre. C'est-à-dire qu'on peut essayer à notre échelle individuelle de prendre en compte tous les paramètres qu'il y a dans le monde des actions que nous menons. Améliorer l'environnement, l'économie, le territoire, le paysage, la biodiversité, etc. Mais dans la complexité de nos sociétés actuelles, dans tout ce qu'il y a à prendre en compte, finalement, ça n'est plus à taille humaine, quasiment, cette question-là. Et c'est là, pour moi, où il y a l'enjeu et l'intérêt du commun. C'est qu'à la fois, et c'est des questions de fond aussi, il y a un intérêt à avoir des spécialisations et des spécialistes. Et quand on est malade et qu'on va à l'hôpital, je pense qu'on est tous très contents d'avoir des spécialistes qui peuvent nous soigner. Mais il faut retrouver des modalités pour refaire de l'unité que finit par éclater les spécialisations. Et l'institution patrimoniale et l'OBA, c'est un endroit où on recrée de l'unité. C'est-à-dire que, et pas tout seul, il y a les gens de l'État.
on a ce contrôle-là, que l'on fait par différentes méthodes, etc. Donc aujourd'hui, le côté normatif ne pose plus de problème. Et là où nous, on a la satisfaction, c'est ce que vous avez dit, Joseph, c'est qu'on a la mise en condition de vie qu'on n'aurait jamais eue. Alors ces normes nous ont tous fait peur, parce qu'elles arrivaient au moment où on nous disait « il faut plus d'ours et il faut les normes », la traduction dans les montagnes, elle était simple. Ils ont mis Natura 2000, ils ont mis le parc national. Déjà, Natura 2000 et le parc national, pour nous, c'est l'antithèse de la gestion du patrimoine commun. Excusez-nous, on est un peu provocateur aussi chez nous. Mais c'est déjà ça qui était une brutalité dans nos pratiques et nos usages en commun. Voilà. Eh bien, à partir de là, on a réussi à transcender tous ces problèmes-là qui était de dire, bon, on classe, on met des sources et on vous impose des normes. Bon, d'accord, vous ne voulez plus dans les montagnes, quoi. Dites-le. C'est ça, disaient les bergers. Joseph et ses copains, ils nous ont tous dit la même chose. Hein. Bon, vous ne nous voulez plus, vous allez faire autre chose. Voilà. Eh bien, non, on a transcendé ce problème. En fait, la prise en charge du patrimoine commun, vous imaginez ça. Vous avez une commune, excusez-moi, je fais une dernière exemple. Une commune que j'ai en tête, qui a moins de 150 000 euros de budget, elle a 10 estives. 10 estives laitières fromagères. Alors là, c'est plus 150 000 euros qu'il faut mettre. 7 000 euros, vous imaginez, pour 10 bergers, pour en pas. Mais à partir du moment où toutes les vallées se sont mises à faire la même chose, et tous ensemble, le conseil municipal, il a été embarqué. Voilà. Okay. Merci. S'il y a 2-3 questions avant que vous venez, je suis désolé, je ne suis pas très doué sur la gestion du temps. Question pratique, en fait, est-ce qu'il y a une répartition des zones? Est-ce que c'est les mêmes bergers qui vont toujours au même endroit et dans les mêmes bergeries, ou est-ce que ça tourne? Et l'autre question, c'est par rapport aux loups, parce que j'ai vu des transhumants qui ont dû arrêter à cause de ça, donc je voulais savoir si on avait ce problème. Oui, bon, par rapport à, effectivement, sur les estimes, en fait, c'est des estimes communales ou qui appartiennent à des syndicats. Donc, c'est un droit, comme ça a été expliqué tout à l'heure, c'est un droit continu qui ont hébergé à aller sur les estimes à partir du moment où ils habitent dans la commune et qu'ils sont propriétaires de ces estimes. Autrement, comme il y a eu pas mal de. Effectivement, il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur, du Piémont, au Rhône, du Auvergne, et bien, eux, ils louent leurs estimes. Et bon, maintenant, à travers justement l'institution patrimoniale, il y a des conventions collectives sur scène, des conventions qui ont été mises en place, c'est pas toujours qui ont été mises en place sur 5 ans. Avant, souvent, c'était la mise en enchère des montagnes, donc c'était au plus offrant. Problématique, quoi, parce que du coup il y avait des gens qui pouvaient se retrouver sur montagne, c'était pas une moyenne régulière. Mais aujourd'hui, effectivement, ça c'est à peu près réglé. Voilà. Après, par rapport aux loups, aujourd'hui nous on a la chance de ne pas avoir encore de loups, quoi, parce qu'effectivement, la gestion du loup c'est très très compliqué, quoi. C'est ce que j'ai vu, c'est que voilà, ça c'est très compliqué de vivre avec, ça pose des gros problèmes. Ça impose effectivement d'avoir pas mal de chiens de protection et les chiens aussi peuvent être agressifs avec les touristes. Donc ça, c'est compliqué la gestion du loup et effectivement ça pose des grosses interrogations sur l'avenir des gens dans la montagne. Mais bon, nous ce qu'on dit c'est que regarde, nous on se bat pour des montagnes vivantes. Non, d'abord avec des gens et plus on sera pour faire face, quoi, mieux c'est, quoi. Mais effectivement, on est très inquiet par la vie du coup quand même. Quoi. Voilà. Merci. Moi j'ai une question pour Joseph. Didier nous a expliqué que c'était la propriété publique. Alors nous à Paris, on est habitué à voir des propriétés publiques comme telles. Ne sont pas forcément dans le sens de l'entretien. Voilà. Et donc, je voudrais savoir, Joseph, comment tu
converger dans un lien avec les communes, avec tous les autres habitants de la montagne, et aussi avec le fait qu'aujourd'hui la montagne soit pluridimensionnelle, quoi. C'est-à-dire avant c'était des zones de nature, et maintenant il y a des touristes, il y a plein de gens. Et voilà, c'est un espace à partager quand même. Et donc il faut aussi gérer ce partage. C'est intéressant dans la mesure où quand même dans ce partage, il faut que notre légitimité ne soit pas remise en cause, mais c'est des choses intéressantes. Et moi, je pense qu'au niveau patrimonial, au niveau culturel, pour moi, si je suis berger, c'est aussi pour cette dimension-là, de cette dimension du collectif en nous, c'est-à-dire en bas, on est berger, on fait un petit grand berger, je suis pas un peu qu'on a, mais quand on est en haut, on est berger, voilà, et puis on travaille, le fait que ça soit collectif, on se retrouve à plein de bergers, donc il y a des liens, il y a un travail ensemble qui est obligatoire, il y a une solidarité qui se crée là-haut, et il y a une culture, quoi, qui est primordiale, qui est liée au fait que ça soit collectif, quoi. Donc moi je suis très très attaché, oui. Je pense que c'est pour ça, quoi, qu'on existe encore, et c'est à travers ça qu'on va inventer notre avenir, je pense. Je veux juste apporter un petit complément à Joseph, vous l'avez compris, quelqu'un de très humble. Il y a une chose qu'il faut quand même rajouter, c'est que sa montagne, on ne pourra pas l'enlever, quoi qu'il arrive. Il est viscéralement attaché, on va même dire de façon déraisonnable. Vous voyez tout ce que ça veut dire. Et ça se traduit dans les faits. La traduction dans les faits, c'est que quand on fait du lait, contrairement aux montagnes, il y a des endroits où on va amener les brebis, où pour le lait, pour le fromage, pour soi, pour sa tranquillité, pour son repos, pour le fait de ne pas aller trop marcher loin, on pourrait s'en passer. Mais on va y aller parce qu'on est en pleine responsabilité de l'entretien du territoire. Et ça ne peut pas s'inventer, ça ne s'apprend pas dans les écoles, c'est du viscéral. Et lui, il le fait pour les aider. Seulement, vous avez vu là, je suis obligé de le dire un peu à sa place parce que il n'y pense pas parce que c'est tellement évident. Voilà. Et je crois que le fond de la réponse aussi, c'est il est chez lui, mais totalement, pleinement, mais dans une notion de transappropriation avec ses collègues, avec les autres. Les gens d'abri. Et si ça va jusqu'au sentiment. Voilà. Bien, merci. Bon, vraiment, c'est bien. On a bien mérité de la pause. On se donne combien de temps? Jusqu'à midi. Donc, il y a un café en bas. Il faut descendre au premier étage et aller de ce côté-là. Et enfin, dernière chose, maintenant que j'espère que vous êtes totalement rassurés sur la qualité sanitaire des fromages, Joseph a bien voulu en amener un. Et donc, à la pause de midi, vous pourrez manger un fromage de Joseph. Enfin, un morceau, parce qu'un fromage, ça fait 5 litres. Je voulais juste rajouter deux mots parce que simplement, j'ai oublié la même chose, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en même temps que les mises aux normes ont été faites, et nous, Berger, on s'est aussi posé la question de l'avenir de notre métier, donc ce qui a été mis en place aussi à travers l'institution, c'est une formation de Berger Vaché et plus réactif. Voilà. Aujourd'hui, on est aussi en train de. On a travaillé aussi par rapport au marché sur la promotion du fromage de cible, sur sa qualité aussi en embauchant un technicien fromager qui est reconnu internationalement. Et voilà, on travaille sur tout ça, quoi. Et c'est à travers tout ça qu'on inventera notre avenir, quoi, qu'on peut avoir. Et aussi aujourd'hui, on est en train de mettre en place à travers une commission transmission installation maintenant, on se posait la question de la pérennisation des exploitations et de leur transmission, puis de l'installation des repères familiaux. Parce que chez nous, aujourd'hui, à travers le plan sur la commune de montagne, il y a toute une dynamique sur le gardiennage qui a été mis en place, qui fait qu'à travers la formation, à travers cette aide au gardiennage, aujourd'hui, il y a près de 80 jeunes. Jeune berger salarié qui passe l'été dans mon antenne. Et
ces jeunes, à un moment donné, ils ont aussi envie de s'installer et il faut pas les laisser.